sur les ailes. Cher Adrien, au terme des divers tests que vous avez passés, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes parmi les 4 candidats français présélectionnés pour la première mission spatiale européenne. Tom, c'est moi. Je viens d'avoir la réponse de l'ESA, il me traîne. Je t'embrasse, je t'aime. Je me change... Non, éteins, s'il te plaît. Oh, tu m'as fait peur. J'étais en train de te laisser un message. Éteins, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? Éteins, merde! Mais ça va pas, qu'est-ce que t'as? Excuse-moi, mais éteins, s'il te plaît. Éteins. Hey. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? S'est passé quelque chose? Non. T'as eu un accident? T'es malade? Non. Bon, attends, explique-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes sûr qu'il a les épaules assez solides pour une telle responsabilité? Catherine, je vous garantis qu'on a fait le bon choix. L'édiche est tout jeune, il en a encore sous le pied. Et je vous mets mon billet qui va hisser le Philharmonique de Paris à des sommets jamais égalés. Espérons. Madame le ministre, dès que Tom aura commencé, tous vos doutes seront balayés. Je le connais depuis 23 ans, je l'ai vu gagner en puissance, il a encore un potentiel énorme et humainement, c'est une perle. Une perle qui prend encore plus cher que Ferrero? Écoutez, si j'étais motivé par l'appât du gain, je n'aurais pas insisté, je vous aurais donné satisfaction. Parce qu'en défendant Tom, le résultat est là, Ferrero m'a quitté. Pardon. Allô? Il quoi? Votre client s'est mis à pleurer à un feu rouge. Tu peux me réexpliquer? Je suis pas sûre d'avoir bien compris, chérie. Eh ben, le feu est passé à l'orange. Oui. Et puis ensuite, il est passé au rouge. Et? Eh ben, il est repassé au vert. Et ensuite? Ensuite à l'orange. Oui, et après au rouge, c'est ce qu'on appelle un feu tricolore. Mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Eh ben ça, je sais pas. Ça m'a bouleversé. Mais ça quoi? Mais c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a bouleversé? Qui change de couleur. Un feu qui change de couleur, ça te fait pleurer. Adrienne? Bonjour, c'est Piotr. Excuse-moi de te déranger. Je n'arrive pas à joindre Tom. Tu sais pas où il est, par hasard? Si, il est là. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Ah ben, il peut pas te parler, là, pour l'instant. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Tu peux être un peu plus précise? Je suis au ministère, je viens de signer ces contrats, et un motard prétend qu'il se serait mis à pleurer à un feu rouge. Eh ben, tu leur dis que c'est une conjonctivite, hein, puis tu me rappelles tout de suite après. Bon, très bien. Je t'embrasse. Alors? Rien de grave. Une conjonctivite. J'ai du mal à me débarrasser de mauvaises pensées qui me passent par la tête. Ouais. Je suis obligé de me forcer pour faire quoi que ce soit. Mmh. Ouais. Mmh. Je suis déçu et dégoûté par moi-même. Ouais. Mmh. Je suis sans espoir pour l'avenir. Vrai aussi. 13 sur 13. À l'avantage, c'est qu'il n'y a pas le moindre doute. Vous faites une dépression. Pourquoi voulez-vous que je fasse une dépression? J'ai tout pour moi. Une femme que j'aime, un métier que j'adore, je suis encensé par les critiques, et le public est avec moi. Je suis riche. Vous avez des mouchoirs juste à votre gauche. Je ne vois pas pourquoi je ferai une dépression. C'est la période la plus heureuse de ma vie. Et je vous crois. Mais prenons le baby blues. Pourquoi est-ce qu'une femme qui vient donner naissance à un joli petit bout de chou fait une dépression nerveuse? Je ne sais pas. Et moi non plus. Mais parfois, ça s'explique et surtout, ça soigne. Courage. Dans 3 semaines, vous serez sur pied. 3 semaines? Mais qu'est-ce que je vais dire à l'orchestre, moi? Mais la vérité... Je vais leur dire que je fais une dépression nerveuse, vous avez raison, ça rassurera tout le monde. Monsieur Bledich, la dépression est une maladie comme les autres. Il n'y a rien d'honteux, il faut que vous et votre entourage intégriez cette évidence. Hein. C'est primordial pour votre guérison, d'accord? Flight theory. Astronomy.
Information technology, spatial medicine, cosmic navigation, training in the scientific and technical methodologies of the mission. Je n'ai jamais rien vu de plus beau. Reste pas, t'iras pas. C'est ma place. Il y en aura pas pour tout le monde. Alors, œil pour œil, chacun pour soi, bah, reste plus la parole. T'es pas mon ami, ok? Excusez-moi pour ce retard, j'ai fait une mauvaise chute. Je suis désolé, mais avec cette avalanche de pépins qui me tombe dessus, je vais être indisponible pour 3 semaines. 3 semaines ? Grand, grand maximum. Tous ces ennuis de santé, ce serait pas psychosomatique par hasard ? Pas du tout. Rien à voir, je joue de malchance, c'est tout. Au moins, vous jouez de quelque chose. Je vais y aller. Dites donc, avec tout ce que vous gagnez, vous pensez reverser chaque jour manqué ou vous trouvez normal de toucher un salaire de rappeur sans lever le petit doigt ? Parce que nous, l'administrateur, il nous chipote sur tout, y compris sur les tickets resto. Ah, oui. Vous avez raison, ce n'est pas normal. Je vais rembourser chaque jour manqué. Ah oui, oui. Chaque jour. Mais t'as pas dit ça ? Mais tu sais combien ça va nous coûter, cette histoire ? Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Ils étaient comme des hyènes après moi. Tu as très bien fait, c'est tout à ton honneur. Voilà, t'as dû grimper encore un peu plus dans leur estime. Tu sais ce que c'est de se retrouver face à une meute de 120 musiciens ? C'est comme un dompteur avec des fauves. Si le dompteur est sur le flanc, il se fait dévorer tout cru. Non, mais t'es pas sur le flanc. Ah bon ? Et t'appelles ça comment, une dépression ? Mais non, mais faut pas dramatiser. T'as vu un médecin ? Il connaît son sujet. Il t'a prescrit des médicaments, dans 3 semaines t'es guéri. Il te l'a dit. C'est une maladie comme les autres. Ah non. Le cancer, c'est une maladie comme les autres. La dépression, c'est ridicule. Mais non. En tout cas, j'avais vu juste. Ça veut dire qu'il va falloir annuler tout le programme des prochaines semaines aussi. On fera jouer les assurances. C'est quand même une très mauvaise nouvelle. Dans la vie, il y a des impondérables. Des impondérables ? Non mais tu sais ce que c'est une dépression nerveuse ? Dans 3 semaines, il est guéri. Bah voyons. Je te rappelle que mon oncle en a fait une, ça a duré 5 ans. Elle s'est terminée quand on l'a retrouvé pendu dans la salle d'attente de son psy. Dépression. Dépression nerveuse. Putain. Et les partiels qui arrivent. Oh mais pourquoi est-ce que je me suis laissée influencer par un petit merde d'arriviste comme vous ? Dans 3 semaines, je le veux. À son pupitre, baguette à la main. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre carrière politique à peine naissante. C'est clair ? C'est clair. C'est clair. Ça va aller, Catherine. Ça va aller. Oh là là, regarde-le. C'est terrible. Tu peux emmener un dépressif au bout du monde. Tu peux l'emmener au Club Med, sous les cocotiers. Il sera toujours seul avec lui-même. Tu veux pas arrêter avec tes sentences définitives ? Mais mon oncle aussi, on l'emmenait partout. Hein. On croyait que ça lui changerait les idées. Ça lui changeait rien du tout. Arrête, s'il te plaît. Adrienne ? Oh, Anna ! Oh, quelle bonne surprise ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, rien, je suis en vacances avec des amis. C'est Tom, là-bas ? Ah oui. Ben, qu'est-ce qu'il a ? Bah rien, il se concentre. Se concentre, mais sur quoi ? Tu sais, il revoit mentalement ses répartitions. Et toi, ça va ? Tu sais qu'ils m'ont viré de l'ESA ? Ah bon, pourquoi ? À cause de ma vioque. À la Alzheimer. Tu sais, hein, là, je comprends ce que tu dis, hein. Oui, bah ça te passera. Hé, hey, vous pouvez pas dire à vos putains de chiards d'aller jouer plus loin ? Oh là là, ils l'ont interrompu en pleine symphonie. Mais ils sont cons, ces mômes. Excuse-moi. Désolée, Céline, hein. Excuse-le. Mais y a pas de mal. Tom, mais sois gentil, quand même. Ils sont petits. Eh ben, ils sont chiants, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as pris tes médicaments ? Oui. On va se faire un petit tour de pédalo. Oh, puis tu me fais chier, toi aussi. Tom, fais ceci, Tom, fais cela. Tom, sois gentil avec les nains. Et puis, je supporte plus le bruit de ces vagues. C'est très simple. Le moindre facteur de stress, on est viré. Et là, ils se poseront même pas la question. Un mari dépressif, terminé. Ils prennent quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Tu lui en as parlé ? Mais non, surtout pas. Son médecin m'a dit que ça l'angoisserait encore plus.
Ma seule chance, c'est qu'il guérisse très vite. Ça, ma pauvre... Il va guérir, son médecin dit dans 3 semaines. Wow. Eh bah, quelle sieste! C'est pas de ma faute. Mais c'était pas un reproche, hein, Piotr? Mais non, attends, pas du tout, au contraire, enfin. C'est nous aussi, on était crevés, là, avec le jet lag. Crevés? Sinon, toi, ça a l'air d'aller mieux, hein. La preuve, tu t'es levé sans problème. Bonsoir, monsieur. Je vous sers quelque chose? Rien, merci. Ben si, bois quelque chose, Tom, ça te fera du bien. Un petit cocktail, hein? Une caille parignia, monsieur. Avec plaisir. Il fait bon ce soir, hein? C'est divin. Ah, oh, c'est dommage, hein? Tout à l'heure, t'as raté le coucher de soleil avec le retour des pêcheurs. C'était magnifique. De toute façon, je rate tout. Mais non, enfin, c'est pas bon. Pourquoi tu dis ça? Attends, mais les pêcheurs, ils pêchent tous les jours. Tu les verras demain. Tiens. Elle bouge bien, hein? Super. Est-ce qu'on peut demander à ces débiles d'arrêter le massacre? Oh merde. C'était une surprise? Oh! Oh là là! Je suis désolé, excusez-moi. Non, c'est de ma faute, c'était pas une bonne idée. Si, très bonne. Mais non, c'était ridicule. Non. Mais Tom, te mets pas dans un état pareil, c'est pas grave. C'est même drôle. C'est vrai qu'il joue mal quand même. Quel con! Oh, mais quel con! Oh! Mais reste avec nous, tu vas où là? Me coucher. Mais attends, tu viens de te lever! Quand on rentre, il dirige la Traviata les doigts dans le nez, hein, c'est sûr. Donnez. Arrêtez de tourner autour du pot. Il va mieux, oui ou non? Bien sûr qu'il va mieux. Pas au point de pouvoir diriger, mais il va mieux. Catherine, c'est la rançon du génie. Bernstein, Karajan, les plus grands ont eu des moments comme ça. Beethoven, Mozart, Mahler, Bach... Non, pas Bach. Ah bon? Oh, énarque. Et alors, il n'y a pas de honte? De toute façon, on n'a plus le choix. Il faut continuer. En espérant que ça se terminera pas comme au tunnel. Alors, vous l'envoyez chez ce type. Il paraît que c'est un ponte. Et ça saute! Ça saute, Catherine, ça saute. Bon, prenez rapidement rendez-vous pour Bledisch chez ce type-là. Oui. Et vérifiez-moi si Bach a fait une dépression. Lequel? Vous en connaissez beaucoup? Jean-Sébastien, Jean Chrétien, Willem, Carl Philippe... Ben vous me les vérifiez tous! Sur le tas, il y en aura bien un qui en aura fait une! Vous avez un sentiment de culpabilité vis-à-vis de Ferrero? Ouais... Enfin non, je sais pas. Je lui dois beaucoup, mais est-ce que je lui dois tout? Est-ce que j'aurais dû lui laisser ma place pour lui prouver ma gratitude? Est-ce que ça pourrait s'arrêter? J'ai la tête dans un étau. Vous m'avez apporté votre ordonnance, comme je vous l'avais demandé? Oui. Excusez-moi, j'étais un petit peu... J'aime bien faire des petites boulettes. Je voudrais que ça s'arrête. S'il vous plaît. Je ne veux pas dire du mal d'un confrère, mais les tenants du tout chimie... Quelle bande de cons! Vous allez m'arrêter ce traitement immédiatement. Monsieur Bledisch, ce sera long, ce sera difficile. Mais je crois qu'on tient le bon bout. Vous me faites confiance? Oui. À la bonne heure. Voilà donc le résultat navrant obtenu par l'un de ces ayatollahs de la psychanalyse qui pense qu'on peut arrêter un tsunami en restant allongé sur un divan. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Chut! Oui, mais enfin, dites-moi ce qu'il a. Vous n'aviez qu'à être là au début du cours. Je suis sa femme. Ça n'empêche pas la ponctualité. Oui, mais je pense que j'ai quand même le droit de savoir ce qu'il a. Mélancolie stuporeuse. Le malade est figé, mutique, sans initiative, en dehors du monde, pétrifié de douleur. De sourds gémissements transcrivent la souffrance morale derrière la sidération motrice. Sidération motrice. Je n'ai plus qu'un seul sujet de conversation, c'est moi, l'ignoble moi.
Docteur, je ne comprends pas pourquoi il se flagelle comme ça. Dans une dépression, il est beaucoup question de soi. On déteste ce qu'on est, on méprise ce qu'on a été, on regrette ce qu'on va devenir. Alors forcément, ça laisse pas beaucoup de place à la joie de vivre. Pardonnez-moi cette question, mais vous avez encore des rapports? Vous plaisantez, depuis des mois, mon sexe me sert plus qu'à pisser. C'est normal, la dépression attaque vos forces vitales et anéantit tout désir sexuel, ce qui vous déprécie encore un peu plus à vos yeux. Or, on ne peut aimer l'autre que si l'on s'aime soi. Mais je suis une merde, vous avez déjà essayé d'aimer une merde? Votre femme y arrive bien, votre impresario aussi, sans compter vos fans, dont je fais partie. Pourquoi est-ce que vous n'y arriveriez pas? Parce que je suis tellement occupé par mon nombril de merde et je n'ai même pas fait d'enfant. Non mais il dit n'importe quoi. C'est moi qu'on veut pas pour l'instant pour des raisons professionnelles. Alors vous voyez, vous noircissez tout. Quand on pense à la misère qu'il y a dans le monde. Et moi qui me plains avec mes petits états d'âme, voilà, je suis qu'un chef d'orchestre de mes couilles, un tyran domestique qui fait chier son monde. Cessez de vous maltraiter. Oh ben, je fais ce que je veux, hein. Vous m'avez apporté ces ordonnances? Oui, oui. Je voudrais pas dire du mal de mes confrères, mais on se demande parfois pourquoi on les laisse exercer. On ne traite pas cette maladie avec la chimio ou la psychanalyse. Il faut un traitement qui, dans un premier temps, va vous permettre de refaire surface et qui, du coup, va permettre l'analyse. Tous les tunnels ont une sortie, monsieur Bellish. Dans un futur proche, la merde que vous pensez être rira de l'absurdité des propos qu'elle m'a tenus aujourd'hui. Merci, docteur. Merci. Je vous dois combien? Ah, il peut plus entendre parler d'argent. 125 euros. Je sais que votre métier vous oblige à beaucoup voyager, mais évitez de le laisser seul. Pourquoi? Il vaut mieux qu'il soit entouré. Prenez des gardes à domicile ou si vous aviez des amis sur qui compter, ce serait encore mieux. Devine qui c'est, vieux sagouin? On reconnaît pas son stand préféré? Si. Depuis le temps que je rêvais de repasser quelques jours en tête à tête avec toi, eh ben ça y est. Tu te souviens du week-end de rêve chez Manuel à Trouville? Eh ben c'est de la gnognotte, à côté de la fiesta qu'on va se faire tous les deux. Alors j'ai apporté ma piste de yam, le backgammon, 1000 bornes, je suis très fort, 17 DVD super poilants, quelques bons pornos quand même. Ah oui, carrément. On est entre potes, on va se faire ça aux petits oignons, hein? Bon, je vais chercher quelques packs de bière. Ah non, non, surtout pas d'alcool pendant le traitement. Ah, alors, pas de bière, on va se faire une orgie de Coca Light, McDo, Pizza Hut. Dis, ça te dérange pas si je fais venir quelques filles? Tu veux pas arrêter avec ta bonne humeur à la con, c'est insupportable. Tom, sois pas désagréable comme ça avec Stan. Tu l'adores. Je veux pas que tu t'en ailles. Chérie, je suis pilote. C'est mon métier. Toi, ta passion, c'est la musique, moi, c'est piloter. Je t'en supplie, Adrienne. Me laisse pas tout seul avec lui. Tom. Bon, allez, casse-toi, salope. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, je t'aime. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Oh, je te fais une vie tellement infernale. Mais non. Je reviens lundi. N'empêche que ça t'arrange bien de te barrer tout le temps, hein. Ça te fait des vacances, quoi. Tom, il faut que j'y aille. Tu peux bien attendre 5 minutes. L'avion partira pas sans le pilote. Dis-moi quelque chose de gentil. Tu peux partir tranquille. Je vais me tuer, ça arrangera tout. Oh, c'est dégueulasse ce genre de chantage. C'est pas du chantage. Non, mais vraiment, c'est fatigant, tu sais. Ah ouais, c'est bien ce que je dis. Ça te fait des vacances. Bon, j'y vais. Tu prends tes responsabilités. Adrienne! T'es sûr que je vais savoir faire ce qu'il faut? Ah oui, 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 non mais t'inquiète pas, hein. Chaque fois c'est pareil. Fais un petit peu de chantage affectif, puis c'est quand même tout de suite après. De toute façon, si t'as le moindre problème, je t'ai marqué tous les numéros là. Bon, t'auras pas de soucis, il dort 20 heures par jour. Ce qu'il lui faut, c'est juste une présence. Merci. Non, vraiment, Stan, merci, c'est gentil. Oh, c'est la moindre des choses. Tu fais attention quand même. T'inquiète. Je suis désolé. J'ai tellement honte. Mais il faut pas, t'es malade. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai dit ça comme j'aurais dit, t'es fou, t'es bête.
T'es venu ici pour m'insulter? Mais pas du tout. Tu crois pas que ma vie est suffisamment pénible comme ça pour qu'un gros con comme toi vienne me narguer jusque sous mon toit? Enfin, Tom, c'est une expression. Espèce de salaud. Tu veux vraiment passer un week-end comme celui quand c'était fait? Oui, pourquoi? So what exactly is your program? With my partners, we are about to launch a reusable spacecraft carrying passengers, which will travel Earth to Moon twice a month. Mm. Is that how you plan to kill NASA? Adrien! Surprise. I'd like you to meet Adrien Bledy, one of the latest recruits to European Space Agency. Hello. A kind of rival, you could say. Would you excuse me a moment? Comment tu vas? Ça va. Et Tom? Écoute, ça va. Bah, qui fait une dépression nerveuse? Qu'est-ce qui t'a dit ça? J'ai racheté 30% de Deutsche Grammophon. Je m'intéresse à mes investissements. Et puis, tout ce qui te touche m'intéresse. Il y a des hauts et des bas. Ils sont au courant, les uns? Non. Mais t'inquiète pas, je veux pas leur dire. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Depuis que tu t'es tiré? Bah, rien de bien passionnant, je... Tu me manques. Ça finira bien par passer. Absolument. T'es là pour combien de temps? Jusqu'à dimanche. Je suis à Paris la semaine prochaine. On va peut-être se revoir. Oui, avec Tom. Voilà, on va bien se marier. Bon, je crois que t'es attendu. Je t'appelle. Il est épuisé nerveusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il est plus chez moi, Ferrero. Ça fait des mois que je le représente plus. Allô? Allô? On m'emmerde tous avec Ferrero. Il n'a pas le dixième du talent de Tom. Non, mais il a toute sa tête, lui. C'est lui qu'on aurait dû garder. On n'aurait rien dû du tout. C'est pas on qui décide, c'est moi. C'est moi le patron. Toi, tu connais rien en musique. Non, mais je m'y connais en chiffres. Eh ben alors, monte-toi un petit commerce et laisse-moi m'occuper de mon agence. Oh, excuse-moi, je suis un peu sur les nerfs. La faute à qui? Bon, écoute, chérie, on va pas se disputer, on traverse une passe difficile, mais je connais Tom, il va s'en tirer. Tu parles. On aurait mieux fait de jouer Carlo, hein. On est impresario, pas torfiste. Allô? Non! Mais va te faire foutre avec Ferrero! Oui, le... Oui, madame le ministre. Non, il s'est absenté. Je lui demande de vous rappeler dès qu'il rentre. Bien. Elle m'a dit de vous dire qu'elle m'a pas cru et que vous creusez votre tombe. Oh, putain. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Comment il va? Et moi, tu me demandes pas comment je vais, moi? Comment tu vas? Mal! À la seconde où tu es parti, il a commencé à me martyriser. J'ai voulu m'enfuir, mais il m'a fait du chantage. Et depuis, j'ai même pas réussi à dormir une minute. J'ai appelé son médecin 5 fois. 5 fois, il a augmenté ses doses. Ça changeait rien. Il vient seulement de s'endormir. Je suis désolée. Il dort 20 heures par jour. Il lui faut juste une présence. Connasse! Il a même essayé de me frapper! Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, bah il fait une réaction au lithium.
Ah, c'est ça qui est marrant avec la dépression, chaque cas est unique, alors forcément, souvent, on tâtonne. Bon, nous allons passer au Turcamil. Sinon, le moral, pas de changement? Je n'ai plus de larmes pour pleurer. Même à 6 rétiflons par jour? On va essayer le Zetex. Courage, vous allez vous en sortir. Je vous accompagne, docteur? N'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Oui. Oui, merci. Excusez-moi. Oui, allô? Ah oui, ça peut avoir cet effet-là, ouais. On va le passer au listaflon. Je vous envoie une nouvelle ordonnance. Tom? Oui, va s'occuper. Je vais faire une course, je reviens tout de suite. Tu pourrais racheter du papier toilette? Ouais, ouais. Du talc aussi? Oui. Adrienne? Oui, chérie. Ah, j'adore quand tu m'appelles chérie. Fred, t'es vraiment un sale con. Adrienne, tu peux me traiter tous les noms. Ton mari est en train de ruiner toutes tes chances d'aller dans l'espace. Et alors? Qu'est-ce que je fais? Travaille pour moi. Avec moi, t'es dans le privé. Les affres de ton mari, on s'en fout. Merci. Au besoin, le but. Tu seras la première veuve de l'espace. Pourquoi est-ce que tu me proposes ça? Parce que si tu es dans le dernier carré de lézard, c'est que tu fais partie des meilleurs. Bon, alors? Tu me laisses un peu de temps? Pas trop, quand même. Merci, Fred. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est de te dire si j'ai un bon fond, c'est que j'ai trouvé quelqu'un de formidable pour soigner Tom. Je veux pas te faire de peine, hein. Mais depuis qu'il est malade, je ne croise que des gens qui connaissent quelqu'un de formidable. C'est toi qui vois. Sache quand même que c'est Bertrand Lavoisier. Le prix Nobel. Ah oui? Et comment tu le connais? Depuis que j'ai appris qu'un Français sur 5 va faire une dépression nerveuse au cours de sa vie, j'ai investi dans un labo pharmaceutique qui se trouve qu'il travaille avec eux et qu'on est devenus très copains. Voilà. Il se trouve même que je parraine son association de détraquer du bulbe. Enfin, puisque ça t'intéresse pas... Ok, ça m'intéresse. Ben voilà. C'est comme si c'était fait. Ne me remercie pas, c'est pas pour lui que je le fais, c'est pour moi. Je te connais. Tant qu'il sera malade, tu le quitteras pas. Tom! Je suis dans la salle de bain. Alors, c'était bien? Il propose de faire partie de sa mission. Il t'a sauté? Ça va pas. Ben, il te sautait bien, il pourrait recommencer. Mais faudrait déjà que j'en ai envie. Je te baisse plus, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Mais je fais du sport en attendant que tu guérisses. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que je vais t'avoir un rendez-vous chez Lavoisière. Lavoisière, le prix Nobel? Ouais. C'est un ami de Fred, il faut l'appeler de sa part. Et à part ça, il t'a pas sauté? Non. Eh, tu voudrais pas arrêter d'être graveleux? Toi, tu l'as même pas su sauter pour le remercier. Merde. M'en fous, j'irai pas. Je veux rien lui devoir à ce qu'on l'a. Vous m'avez apporté ces ordonnances. Bon, on va tout prendre à zéro. Vous allez me trouver un bac qui a fait une dépression nerveuse, vous merde! Merde! Arrêtez de me parler sur ce ton à la fin, je suis pas votre chien! Secrétariat de Philippe Barois, bonjour. Je vous le passe. Piotr Ladislav. Comment il va? Un miracle, c'est à peine croyable, il devrait reprendre les répétitions la semaine prochaine. Alléluia! Excusez-moi, Guylaine, à cause de l'autre dingue, j'étais un peu à cran, mais ça y est, on lui a nettoyé le disque dur. Oubliez pas qu'on s'en fout. Appelez-moi plutôt Catherine que je lui annonce la bonne nouvelle. C'est bon de revenir parmi les vivants. Je sens que j'ai les rouages du cerveau à nouveau bien huilés. Je sens mon corps qui refonctionne. Merci de m'avoir soutenu. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous. Je t'aime. Quand je pense à tout ce que je vous ai fait endurer... C'est vrai que t'étais un petit peu chiant. Ah, ça, c'est rien de le dire. Hein. Mais bon, c'est toi qui as tutoyé les enfers, pas nous. Hein. Et l'essentiel, c'est que tu puisses reprendre avec l'orchestre, maintenant. Ah,
ça. Et comment? Excusez-moi, je pourrais vous demander un autographe? Bien sûr. Tous les ans, nous nous offrons un voyage et la destination, c'est l'un de vos concerts. L'année dernière, c'était Chicago, quand vous avez exécuté le Requiem de Verdi. Ah. Merci. Ouais. C'est vrai que je l'avais exécuté, ce pauvre Requiem. Vous êtes encore un peu à cran, tous les trois, hein? Oh, en douille! Allô? Ah oui, c'est Fred. J'ai eu la voisine, il paraît que Tom va mieux. Une renaissance. C'est Fred. Je suis bien, ça. Tu vas pouvoir le quitter? Alors ça, c'est pas gagné. Je peux quand même t'inviter à déjeuner. Avec plaisir. Quand je rentre de Cuba? C'est pas à Cuba? Tu descends ou pas? Je suis au Libré. Pourquoi ça aussi, tu l'as acheté? Non, mais c'est une idée. Tu m'appelles quand tu reviens? Sans faute. Je t'embrasse. Mais non. Oh. Qu'est-ce qu'il te voulait, ce sale con? Oh non, sois gentil. C'est quand même lui qui nous a présenté la voisière. Bon, d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'il te voulait, ce propre con? Encore? Mais ouais. À l'école, il faut que j'aille avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tom, pour nous remercier. Il y en a 652. Ah, parce que vous les avez comptés? Bah oui. Elle a dû bien s'occuper des enfants encore, hein? Pépé, bon, t'es pas. Et voilà. Non, Tom, là, c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Elles vous plaisent pas? Si, mais... Vous préférez avec des émeraudes? Non. Des rubis? Non, mais enfin, même pas des saphirs. Mais enfin, c'est beaucoup trop. Vous êtes mes amis, oui ou non? Oui. Vous m'avez soutenu quand j'étais au 36e dessous, oui ou non? Ah oui. Eh ben, alors, arrêtez de discuter. Mais tu nous as déjà offert 40 douzaines de roses. Ça me fait plaisir. Acceptez, faites pas chier, enfin. Oui, la bleue, tu... Oh, comme elle est gaulée, elle. Pétasse. Oh putain, je suis dans une forme, moi. Oh. Tu sais que tu reprends les répétitions demain matin. So what? On devrait peut-être arrêter de boire. Oh là là, le rabat-joie. Pour fêter le grand retour de Thomas Bledisch. Ouais, c'est qui? Le plus grand chef d'orchestre de tous les temps. Hip hip hip! Hourra! Totoche, champagne pour tout le monde. Ça me fait plaisir. Arrête de jeter ton argent par les fenêtres. Attends, dès qu'il s'agit d'Artiche, elle se réveille, Miss Rapia. Comment tu m'as appelé, là? Oh, bon, ouais, ça va. Eh. Prends pas tout mal non plus. Eh, psst. Comment tu t'appelles, toi? Laetitia. Laetitia. Tu sais que tu m'inspires, Laetitia? Je te ferais bien chanter l'hymne à la joie, si tu vois ce que je veux dire. Oh, oh, Pierre, réfléchis vite. T'es pas seul sur les rangs. Elle est bonne, hein? Je lui mettrai bien une cartouche. C'est très chic. Ça fera plaisir à Adrienne. Oh, bah on peut bien tirer ailleurs de temps en temps, c'est pas la mort. Bon, t'es pas dans ton état normal, là. Si. Non, t'es surexcité. Qu'est-ce que t'as? Bah, je suis pas surexcité. Je suis guéri. Non, c'est pas possible. T'as pris de la coke ou un truc dans ce goût-là, mais il y a un problème. J'ai l'impression que c'est toi qui as un problème. Bon. Tu fais la fine bouche avec mes cadeaux, tu me donnes des ordres, tu me critiques, tu me rabrouilles. Je me demande si finalement ça t'emmerde pas de me retrouver en pleine possession de mes moyens. En quoi ça m'emmerderait? Quand j'étais diminué, tu pouvais te la péter. Maintenant que j'ai retrouvé toute ma superbe, eh ben, il jalouse mon incroyable charisme. Ça se confirme, t'as pris quelque chose. On se parlera quand tu seras dans ton état normal. C'est ça. Allez, coucou, je panier, les bonnes nuits. Allez, vamos danseros, amigos. Je suis d'accord pour l'hymne à la joie.
Wanda? Wanda? T'entends? Tu veux pas aller voir? C'est Bledich avec une femme. Et c'est pas la sienne? Prends mon appareil photo dans la commode. Piotr, c'est moi. Ça va, t'es calmé? Ah, c'est toi qui devais être mal luné. Ben voyons. Piotr, je pète le feu! J'ai du temps à rattraper sur ma vie, tu comprends ça? D'accord. Tant mieux. Bon, dis donc, je voudrais te faire une surprise, Adrienne. Je viens de voir un appart place Vendôme, je voudrais que tu l'achètes. Comment? Je dis, je viens de voir un bel appart. Je veux l'acheter, mais je voudrais que tu t'en occupes toi, parce que ce matin, moi, je répète. Tu viens d'emménager il y a moins d'un an, t'as un appartement magnifique, qu'est-ce que t'as besoin de changer? Eh, ça me fait plaisir, ça te dérange? Écoute, avec ce qu'on a perdu ces derniers mois, je suis pas sûr que ce soit très judicieux. Oh, tu commences à me courir avec tes conseils de petit porteur. Non mais ça va pas recommencer, qu'est-ce que t'as? Jack, si tu continues, je vais aller me faire représenter ailleurs. Il est où cet appart? Place Vendôme. T'as le téléphone? Non, tu te démerdes. C'est sûr, il s'en met plein le pif. Désolé d'être à la bourre, j'hésitais sur la couleur de ma nouvelle bagnole. Et tout ça avec le pognon du contribuable. Qu'est-ce qu'il a, le champion des acquis sociaux? Et donc, si t'étais casqué pour te plaindre, tu perds l'ISF, toi. Hein? Bon, allez, on attaque la force du destin. Un peu l'histoire de ma vie. Je vous raconterai ça si vous êtes sage. On s'en fout. Vous avez déjà fait attention aux paroles de Trabucco dans le troisième acte, c'est quand même très con, hein? Qui veut acheter à bon marché des ciseaux, des épingles? Je vends et j'achète tous les objets. Je conclue rapidement toutes mes affaires. Et, hein? Il s'est pas foulé, ce con-là. Hein? C'est pas avec ça qu'il va gagner l'Eurovision. Verdi, 2 points. Allez. Ready? Non, on reprend. Non. Quoi. Il faut se réveiller, hein? Non, 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 c'est pas possible. On reprend l'allegro. Allez, on reprend à l'allegro, allegro, la joie, allegro. Possible. Mettez-y la patate, vous pioncez, là, hein. Allez, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mais maestro, ça n'a rien à voir avec le tempo. On t'a pas demandé ton avis à toi. Au piqué, on reprend. Non. Quoi? On reprend rien du tout. Camarade, je vous propose qu'on se mette en grève jusqu'à ce que le maestro ait retrouvé un minimum de courtoisie et de professionnalisme. Très bien, mes amis. Je m'incline, c'est la démocratie. Vous voulez de la courtoisie et des excuses? J'ai toujours rêvé d'avoiner un syndicaliste, moi.
fais là, toi? Rien, je vais passer dans le coin. Fred Sterling, Sami Ayoud. Enchanté. Enchanté. Ah, mais attends, rassure-moi, dis-moi que t'as quelque chose à faire à Cuba. Non, rien de particulier. Très envie de te voir, peut-être. C'est tout. Alors, disons, très, très envie de te voir. Il est sympa, hein, mais il est dingue. Ça vous fait pas plaisir, vous, de connaître un type qui peut faire 10 000 km simplement pour venir vous dire bonjour? Faut voir. Il est riche ou désœuvré? Les deux. Et qui vous offrirait le rêve de votre vie sur un plateau? Je me dirais qu'il a quelque chose derrière la tête. Et même si vous l'avez largué comme une merde pour un chef d'orchestre, alors que vous n'y connaissez absolument rien en musique classique... Ah non, c'est pas vrai. Ah bah depuis le temps, j'y connais quelque chose. Il accepterait quand même de vous reprendre. Vous voulez mon sentiment? L'amour en idiot. Je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est à elle qu'il faut le dire. Malade mental. Pardon? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est pas vrai! Oui, ok, Piotr, je me débrouille. Je te remercie. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Hein? Cet homme, il a été hospitalisé. Apparemment, il aurait agressé un de ses musiciens. Oui. Fred, mon mari est à l'hôpital. Eh ben, c'est bien fait pour sa sale gueule. Dommage, c'était bien parti. Oui, c'est ça, foutre de ma gueule. Comme tous les cocus, je suis la dernière à l'apprendre. Par la presse, en plus. Merci de l'avoir guéri. Mais même pauvre ami, il n'est pas guéri. Il fait une bipolaire. Il n'est pas guéri? Pas du tout. Il n'était pas dans son état normal. Il était en phase maniaque. Et c'est grave? Si c'est grave. Je suis prix Nobel et je ne suis pas foutu de déceler un truc que n'importe quel étudiant en première année de psychiatrie aurait pu voir. C'est pas grave, c'est tragique. C'est sûr, pour vous, je comprends. Et pour Tom? Pour Tom. Ah, oui. Il devrait énormément souffrir dans les semaines qui viennent. Après les périodes d'excitation euphorique, la dégringolade est en général terrible. Vous n'allez pas vous marrer. Je sais. Ta démission. Je suis vraiment obligé. Manif. Je vais m'arranger. Non, je vais m'arranger, t'inquiète pas. Il faut serrer les coudes. Hein? Ne te fais pas de soucis. Non, mais elle comprendra. Je comprendrai quoi? Pars tranquillement, je m'en occupe. Voilà, salut. Salut, Adrienne, salut. Bon, alors tu vas rater l'anniversaire d'Élodie pour t'occuper encore une fois de l'autre emmerdeur. Il a besoin de moi. Et ta fille? Elle a pas besoin de toi, ta fille? Non, ma chérie, bon, c'est vrai que c'est rude, et je te jure que j'en bave autant que toi. Mais tu te souviens de cette tournée au Japon, où tu m'as dit que t'avais jamais été aussi heureuse? Ça, c'était dans une autre vie. Bon, ce bonheur qu'on a vécu, c'était grâce à Tom. Et ça a duré des années. Alors, je t'en supplie, sois encore un peu patiente. On lui doit bien ça. Ce type est un cancer dans notre foyer. Céline me déteste. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher? Et si tu traverses une passe difficile, elle est comme moi, elle a confiance. T'es le plus grand, Tom. Tu parles. Je joue une musique composée par des morts, jouée par des has-beens et écoutée par des fins de race.
C'est quoi ce métier? Le plus beau du monde. Tu es le trait d'union entre Dieu et les hommes. Tu es un fossoyeur, quoi. Oh, mais arrête de dire des conneries. Allez, tiens. Ouais. Voilà. Pardon. T'aurais dû garder Carlo. On lui avait prescrit du quadrocyle. C'est en fait un quadricyclique, mais qu'on apparente au tricyclique. 15 jours d'intraveineuse, sans aucun effet. Alors on l'a passé aux Iflotte. Un antidépresseur nouvelle génération, assez efficace. Mais le problème, c'est que ça lui a fait grimper la tension. Il n'arrêtait pas de saigner. Du nez, des oreilles et même une fois des yeux. Je te raconte pas la panique. Moi, ce jour-là, j'appelle les pompiers. Ils lui font tout de suite une piqûre de chlorhydrate de ziflapine. Ce crétin passe au Fratonil pour remonter son taux de dopamine. Il se demande même pas si c'est compatible avec le gavistage que l'autre abruti lui avait prescrit 8 jours plus tôt. Ça n'a pas raté, le pauvre. Il avait des vertiges. Il tenait même plus debout. Alors là, j'ai explosé. Je lui dis, mais vous êtes nul. Mais c'est pas possible. Excuse-moi, je vais pisser. Il avait 1000 ans, il parlait avec les extraterrestres. J'ai tout de suite appelé Kitzwitz, il l'a mis sous somnolaxe. Bon, là, je dois reconnaître qu'il s'est pas trompé, ça a stoppé net la crise. Mais c'était trop beau. Ça lui a déclenché une dyskinésie buccofaciale. Regarde, c'est des mouvements involontaires de la mâchoire, de la langue, du visage. C'est comme des tics, mais c'est pire. Le problème, c'est pourtant un antidépresseur sédatif. Hein. Mais en ce moment, il est tellement abattu que ça produit l'effet inverse. Il est surexcité. Alors du coup, on va peut-être essayer le Citatrac. Même si l'efficacité en est contestée, on verra bien. Oh, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu pénible avec mes histoires. Oh, bah à quoi servent les amis si on ne peut pas leur parler quand on en a besoin? Merci, c'est gentil. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir se confier. Allez. Et si on allait en boîte? Oh. Non. Moi, je peux pas. En fait, je suis pas Bon, ben, si vous changez d'avis, hein, vous m'appelez 244. C'est ça, ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Avec plaisir. Bonne nuit. Bon. Merci. Courage. Merci. Bonne nuit. Ça fait des mois et des mois que je tiens, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je le hais. Il a ruiné ma carrière. Il m'a fâché avec tous nos amis. Il râle tout le temps. Quand il râle pas, il gêne. Quand il gêne pas, il pleure. Il est toujours à deux doigts de se pendre. On baisse plus. Il me rend dingue. Mais dingue? Qu'est-ce qui m'a pris de te quitter pour se tarer? Qu'est-ce que je réponds à ça? Il pue en plus. Ah, tu bois du petit lait, toi. Oh non, franchement, non. Ça, pour l'instant, je... J'ai un petit côté roue de secours que je trouve pas particulièrement glorieux. Ah non, c'est pas vrai. Oh, si. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'étais laissé séduire par son côté... Mm-hmm. Je sais même plus quel côté, d'ailleurs, tu vois. Non, mais il est incurable. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et maintenant, j'en ai marre. Et toi, tu veux bien encore de moi? Faut voir... Peut-être. Tu veux que je t'accompagne? Non, je préfère pas. Tom, je te parle.
Faut que je te parle. Je vais te quitter. Où je te parle. Tu veux pas t'asseoir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te quitter. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Faut que tu refasses ta vie avec Fred. Mais pourquoi tu dis ça ? Je l'ai jamais revu. Faut voir les choses en face. Tous les deux, c'est fini. Je suis plus l'homme que t'avais épousé. Tu l'aimais, il t'aimait, vous avez 10 fois plus de choses en commun. Mais c'est pas vrai. Il faut que tu sauves ta peau. Je peux plus supporter que tu m'aides à me laver. Que tu m'encourages pour enfiler des chaussettes. Mais moi, ça me dérange pas. Pas du tout, je t'assure. On peut se raconter ce qu'on veut. Se dire que c'est injuste, qu'on n'a pas mérité ça, mais le fait est... Je te fais vivre l'enfer. Je pue en plus. Oh, c'est pas vrai, j'adore ton odeur. Adrienne, arrêtons-nous là. Je vais aller chez mes parents. Ou dans une clinique. Et puis si jamais la vie devient trop insupportable. Ah non. Parle pas de malheur. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans toi ? Je vais t'aider. Je vais tout faire. Mais je t'en supplie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Ça n'a pas été trop dur. Je pars plus. Pardon ? Je me suis trompée. Je suis désolée. Je comprends que ce soit très difficile, mais... Tout est arrangé, j'ai trouvé une super clinique. Non, je te dis que je me suis trompée. Je vais rester avec lui. C'est quoi ? C'est du chantage au suicide ? Je t'aime beaucoup, Fred. Et c'est lui que j'aime. Attends, t'as pas arrêté de m'expliquer qu'il te pourrit la vie depuis des mois. Tu sais ce qu'il vient de me dire ? Il veut que je retourne avec toi. Pour mon bonheur. Je savais même plus ce que je lui avais trouvé. En fait, c'est tout bête. Je l'aime. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Reste avec lui. Je vais pas me battre contre des moulins à vent. Sans rancune ? On verra ça dans quelques années. Coccinelle. Où ça ? Là. Ah, ouais. Oh, j'adore les coccinelles. Ah, oh, un carreau. Ça porte bonheur. Qu'est-ce que t'as ? Rien. Ça va super. C'est délicieux, hein ? Bah mange, Tom. J'ai pas faim. Force-toi. Oh, ta gueule. Oh non. Bah, là, tu commences pas à être désagréable. Excuse-moi, je suis fatigué. Je crois que je vais vous laisser. Ah non. Ce soir, on s'amuse, on fait la fête. J'ai pas envie de faire la fête. J'ai envie de dormir. Non, mange ton caviar. C'est rempli de vitamine B et c'est très bon pour ton taux de sérotonine. Son acupuncteur nous a expliqué qu'en fait, la dépression puise ses forces dans le sommeil. Donc nous, en l'empêchant de dormir, on affaiblit sa dépression. Pendant que le métal, lui, agit sur ses... Ça passe pas. Non, là, moi non plus. Hein. Bon, Piotr, on va peut-être pas trop tarder hein, pour les enfants. Non, mais j'ai promis à Nadia que je la libérerai tôt. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ah bah, sinon, ça fait plaisir de pouvoir compter sur des amis. Ah non, Tom. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Rien. Tant que j'étais rentable, c'était vivre à Las Vegas. Puis maintenant que le train de vie est menacé, c'est à mort crier la foule. Mais t'en as pas marre de dire des conneries ? Attends, Céline, attends. De toute façon, je vous emmerde tous les deux. Tom ? Toi, t'es qu'un profiteur. T'y connais mon cul en musique. T'es tout juste bon à pomper mon pognon et ma santé. Tom. Mais parfaitement !
Un profiteur qui m'a tué avec ses calendriers d'enfer pour entretenir sa connasse. Oh, allez, on y va, on y va. Connasse, tout une grosse salope. Tiens, grosse salope qui s'est fait enfoncer pour profiter du profiteur qui est. Tiens, tu arrêtes. Je te vire, pauvre con. Et tant mieux. Viens. Bande de cons. Profiteur. Pardon, excusez-moi. Tu vas où? Me coucher. Ah bah non, 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 non. Maintenant, il faut aller danser, hein. Les résultats des partiels dans ma circonscription sont clairs. L'opposition a fait toute sa campagne sur la nomination calamiteuse de Thomas Bledisch à la tête du Philharmonique de Paris. J'avoue que même si ce n'était pas mon choix, je me suis laissée influencer. Cette défaite n'est donc pas celle de mon camp, mais un vote sanction à mon seul égard, et j'en assume l'entière responsabilité. Cet échec... Bon, tu appelles Carlo, oui ou non? C'est comme si j'abandonnais mon propre fils. Mais tu as déjà deux vrais enfants. Et je te rappelle que non seulement il t'a viré, mais en plus il est cuit. Archi-cuit. Il est bon à mettre au rayon légumes. Bon, je te préviens, Piotr. Moi, il m'entraînera pas plus longtemps dans sa chute. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici votre commandant de bord, pardon, Adrien Bledisch. Je crois qu'il vaut mieux que tu arrêtes de piloter. Pour quelque temps, en tout cas. Qu'est-ce que je disais? Tu disais que, depuis que tu avais changé de traitement, tu avais plus de mal à te concentrer sur la façon dont tu voulais te suicider. Excusez-moi, je suis un peu dans le thé parce que mon dernier médecin m'a donné 5 mg de nosifrine. En plus du... C'est quoi déjà? Ralopax. Oh, n'importe quoi. Non, alors, ce qui est emmerdant avec le... Comment ça s'appelle déjà? Ralopax. Mais non, non, non. Enfin, c'est que. Bon, ça me. En kilos, ça fait la mâchoire. Et alors, du coup. Ralopax. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à suivre les conversations. En tout cas, vous avez quand même l'air un petit peu mieux. Merci, c'est gentil. Vous rajeunissez pas non plus. Ah non. Ben non, Tom, maman disait pas vieux, elle disait mieux. Oh, pardon. Excusez-moi, c'est les acouphènes, ça siffle. Au fait, Tom, est-ce que tu as vu que Bobby vient d'être nommé au Philharmonique de Houston? Où est-ce que j'allais, là? Je sais pas, chérie. Qu'est-ce qu'on disait? Papa disait que Bobby vient d'être nommé... Enfin... Excusez-moi, je suis couché, je vais me crever. Enfin, depuis le temps, on ne sait toujours pas à quoi c'est dû? Non. Je comprends pas. Il a pourtant tout pour lui. Le médecin dit qu'il ne faut jamais dire ça. Et un bon coup de pied au cul... Faut pas dire ça non plus. Non, mais il serait grand temps de passer à l'acte. Depuis le temps qu'il nous emmerde... Je vous rappelle juste que Noël, c'est ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. N'essaye pas de sauver la soirée, elle est fichue. Regarde ce que tu es devenu. Tu as vieilli de 10 ans. Hein?
Tu étais belle, heureuse. Je le suis encore, papa. Alors, tu parles, tu te fanes à la vitesse grand V. Votre fils gâche la vie de notre fille. C'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adrienne est toujours par moi et par vous. Si elle était plus présente, Tom ne serait pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle il est. Bon, écoutez, là... Elle a fait Matsup, Matspé, l'ENAC. Pourquoi faire, d'après vous? Servir de boniche à votre déficient? Papa... Je pense que si elle avait été moins vicelard... Oh, parfaitement. Elle aurait montré tout de suite à Tom qu'elle était aussi féminine qu'un conducteur de bus. C'est un conducteur de bus. Qu'est-ce que c'est d'autre à pilote de nos jours? Et votre déchet qui se demande tous les matins s'il va pouvoir pousser son contre-hutte, vous pouvez me dire à quoi il sert, de nos jours? C'est pourtant vrai que vous êtes des beaufs. Mais je t'emmerde! Pauvre con, on va demander les divorces. Oui. Bonne idée. On a de la chance, ils n'ont pas de môme. Mais arrêtez! C'est Noël. C'est un joli jour, Noël. On est contents d'être ensemble. Quelqu'un veut de la dinde? Moi, je veux bien, ma chérie. Tiens, maman. Merci, ma poulette. Maman! Qu'est-ce que c'est? Voilà. Oui? Allô Fred, c'est Adrienne. Oui, je t'ai connu. Joyeux Noël? Merci. Je sais pas ce qu'il m'a filé. Tout le temps envie de pisser. Ça me brûle en plus. Céline est partie. Où ça? Oh, excuse-moi. Ouais, enfin, de toute façon, si, si. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Céline est partie. Partie où? Je sais pas. Elle a vidé les placards, elle est partie avec les enfants. Ah ouais. Tu veux boire quelque chose? De l'eau, si tu as. Ouais. Tu vas pas prendre froid, là? Il va tomber, non? Qu'est-ce que tu disais? Thank you.
me lance des petits pois. Mais énorme. Et je suis assommé par un lardon. C'est sans danger. Voilà. Votre mari est maintenant curarisé, sous anesthésie générale. Le curare paralyse les muscles, ce qui diminue considérablement les risques de fracture. On place ce manchon pour ne pas qu'il se morde ou qu'il se pulvérise les dents. On dispose les électrodes de façon bilatérale sur les tempes et j'envoie la sauce. Les contractions sont under control. On le ventile. La crise se termine. Et voilà. Pourvu que ça marche. Ça va marcher. On n'a pas enduré tout ça pour rien. Il va guérir. Il va rediriger un orchestre. On sera heureux comme avant. La vie reprendra. Et reprendra, c'est sûr. Maman? Tom. Oh, tonton Franck. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les électrochocs produisent souvent des amnésies passagères. Ça peut durer combien de temps? 2-3 mois maximum. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Il y a un très faible pourcentage de gens qui ne retrouvent jamais toutes leurs facultés. Il va en faire partie, c'est sûr. Ben non, pourquoi vous dites ça? Si, il a raison. C'est sûr. Oh, oh merde! Faites attention, tous les deux. Vous êtes très fragiles, là. Vos excuses, je veux mes bagages. Je vous répète que je ne peux rien faire de plus, ils sont à Genève. Complètement demeuré. Mais j'ai bien compris qu'ils étaient à Genève. J'habite Paris, je veux récupérer mes bagages, voilà. L'avion dans lequel ils sont revient sur Paris à 19h50. On vous les livrera chez vous dans la soirée. Chez moi? Oui. Mais vous pouvez pas le dire plus tôt, non, espèce de débile. Ça te plaît pas? Non. Écoute, t'as tort, je t'assure, c'est beau comme instrument. Non, je veux pas ça. Piotr, on va plutôt aider les autres nains à décharger le matos. J'encaisse, monsieur. Allons-y. D'accord.
quatrième mouvement. Tu veux continuer? Merci. Merci à tous. Quatrième mouvement. Son affection pour toi. Mais puisque je te dis que je lui en ai parlé, il est ravi. Vas-y. Bon. Moi aussi, je t'embrasse. Moi, je suis Carlo. Ah. Il demandait si tu accepterais qu'on vous représente tous les deux. Mais qu'il est ballot, bien évidemment. C'est ce que je lui ai dit. On n'est pas bien, tous les quatre réunis comme avant. Si. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ben si, je vois bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est les vagues. Oh pitié, pas les vagues. Pas les vagues. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, it's later than you think. You never go to nightclubs and you just don't care to dance. You don't have time for foolish things like moonlight and romance. You only care for dollar bills piled neatly in a stack. But when you kiss a dollar bill, it doesn't kiss you back. Enjoy yourself. It's later. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as a wink. Enjoy.
yourself, enjoy yourself, it's later than you think. Your heart of hearts, your dream of dreams, your ravishing brunette. She's left you and she's now become somebody else's pet. Put down that gun, don't try, my friend, to reach the great beyond. You'll have more fun if you reach for a redhead or a blonde. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. While you're still in the pink. Years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, it's later than you think. Another birthday's come and gone, you've turned another page. And then before you know it, there you are at middle age. To think of all the fun you missed, it makes you kind of sad. It's better to have had your wish than to have wished you had. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself, while you're still in the pink. The years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, it's later than you think. 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 'Cause you only got a one-way trip on this beautiful planet, and then when you're done, that's it. Enjoy yourself, it's later than you think. No one's gonna live forever, we're all gonna die, baby. Enjoy yourself, it's later than you think. I know I'm gonna die. Otherwise, I'm in real trouble.